Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un Michel Midi spécial. Ça sera sur le mode pas vu à la télé, pas vu dans les médias, c'est-à-dire des infos importantes que vous n'avez pas eues, dont vous n'entendrez pas parler, et on se demandera aussi pourquoi. On va commencer avec les gilets. Il paraît qu'on a vécu un drame parce qu'un restaurant de luxe a eu quelques dégâts. Et ça, c'est une violence, une guerre civile insoutenable. On avait déjà eu l'occasion de parler de ça. Qu'est-ce qui est le plus violent? Le fait que dans un resto pareil, des grands bourgeois peuvent aller dépenser en un repas la même chose que toute une famille pendant un mois? Qu'est-ce qui est vraiment la violence insupportable? On en avait parlé, la violence des riches avec ce beau livre de Pinson et Pinson et Charlot. On va traiter cette histoire-là, on va traiter les gilets jaunes et la manière dont les médias les abordent avec le groupe Investigation Paris. On va organiser le 4 mai à Paris une grande séance médiabolisation des gilets jaunes, la stratégie de la peur, avec plusieurs orateurs. Il y aura bientôt une affiche, suivez Investigation, abonnez-vous à notre newsletter, vous saurez ça. Et on va faire appel aux témoignages des gilets jaunes, comment ils ont vécu la diabolisation par les médias. On vous demandera votre petit témoignage en 2 minutes, 3 minutes maximum, ce que vous avez, les événements auxquels vous avez participé, comment les médias les ont présentés. Et puis on analysera justement comment analyser et exposer les médias mensonges. Et on aura toute une série d'invités très intéressants. Donc ça, c'est pour bientôt. Alors, à propos de incendie, on en avait un peu parlé, et là on a une confirmation. Vous vous souvenez quand Trump a lancé avec Pence et compagnie son président sorti de sa poche là au Venezuela, on a eu un soi-disant convoi humanitaire avec quelques caisses pour la mise en scène devant les caméras. Et il s'agissait de forcer l'entrée d'un convoi, évidemment protégé par des militaires US qui auraient fait des provocations au territoire vénézuélien. Ça n'a pas marché, mais dans les médias, on a eu beaucoup. Tiens, un camion incendié, un camion d'aide humanitaire, Croix-Rouge et tout ça, incendié. Et bien entendu, la presse, les médias internationaux ont accusé Maduro. Ça s'est passé le 23 février. Le lendemain, les journalistes vénézuéliens sur le terrain disaient: ben non, ça s'est passé du côté colombien, c'était très loin, les Vénézuéliens n'ont rien fait. Et effectivement, ça a été mis, le feu a été mis par des agents en Colombie. Ça a été sur le site Investigation dès le 25 février. Et bien entendu, on n'en parlait pas dans les médias occidentaux. Et voilà tout d'un coup que le 11 mars, avec 14 jours de retard, le New York Times dit oui, c'est vrai, c'était bidon, c'était un incident provoqué par les milices colombiennes et Maduro n'avait rien à voir là-dedans. Est-ce que vous avez entendu parler de ça dans vos médias? Est-ce qu'on a fait le rectificatif? Je crois que poser la question, c'est y répondre, à part le New York Times, moi j'ai vu ça nulle part. Bien. On a aussi, on va parcourir un petit peu les infos cachées, les infos qu'on n'a pas eues. En Haïti, il s'est passé un truc intéressant. Haïti, c'est un pays ultra pauvre avec énormément de révoltes. Et là, il y a eu une info intéressante. Fin février, 5 États-Unis, un Russe et un Serbe ont été arrêtés avec des armes en Haïti. Et on en a parlé un tout petit peu dans les médias US, absolument pas en Europe. Et un article de Maurice Lemoine, qui a été publié cette semaine, explique que ce sont des anciens marines, avec un qui travaille pour une firme privée, Steel Blackwater, pardon, avec donc une milice privée, Steel Blackwater. Ils ont été arrêtés en Haïti, ils ont été emmenés aux États-Unis, et là, aucune charge n'a été retenue contre eux
une opération de la CIA, une de plus, et évidemment, on n'entendra pas parler de tout ça. Alors, dans le New York Times aussi, il y a eu un article très intéressant le 1er mars, intitulé « Il est temps pour Netanyahou de partir ». Il est temps pour Netanyahou de partir. Ça, c'est étonnant parce que New York Times, c'est un journal tout à fait mainstream, traditionnel, bien pensant aux États-Unis. Il est totalement pour Israël. La chronique était signée d'un certain Bret Stephens, très connu, prix Pulitzer. Il avait été éditeur en chef du Jérusalem Post, j'y arriverai. Donc, vous voyez, c'est vraiment les néocons, les soutiens d'Israël. Et ce type-là écrit que, en fait, il faut que Netanyahou, on s'en débarrasse. Et il écrit, je cite, « Netanyahou est un homme pour lequel aucune considération morale ne prime sur l'intérêt politique. L'intérêt politique suprême, c'est lui-même. » Et pourquoi se débarrasser de Netanyahou? L'article est intéressant parce qu'on a un premier ministre israélien qui crédibilise l'idée que le sionisme est une forme de racisme et qui prévoit de faire rentrer dans son gouvernement des racistes fascistes d'extrême droite et dit ça, c'est impardonnable, ça va nous affaiblir la confiance en soi pour défendre Israël. Netanyahou, dit-il, rend du crédit à l'idée que le sionisme est une forme de racisme. Bon, nous, on dit rien d'autre depuis longtemps et notre Macron, là, par contre, est en train de prétendre que ce qui est grave, c'est d'accuser Israël de racisme et que pour ça, on devrait même aller au tribunal et être interdit et censuré. Et donc, c'est intéressant de voir, là, Netanyahou qui fait sa campagne avec Trump, mais donc, c'est toute la question s'ils vont garder Netanyahou. Bon, en tout cas, c'est une question intra-israélienne. Je ne dis pas qu'à la place de Netanyahou, on aura mieux, mais c'est une chose intéressante. Ça montre qu'il y a une grande division dans la société israélienne et comme je le disais, dans un article récent, une grande division aussi dans la communauté juive pro-Israël, sioniste aux États-Unis, qui hésite, qui trouve que Netanyahou, ça va trop fort, que ça devient indéfendable. Et donc, ils sont sur la défensive. Et par rapport aux gens qui mènent les actions BDS et de solidarité, c'est un élément qui doit vraiment nous donner confiance. On passe au Soudan. Et au Soudan, on n'en parle pas du tout. Oui, si, il y a eu un mouvement de contestation inédit. Le président El-Béchir a fait des concessions. Mais ce qui n'est jamais expliqué dans les médias, c'est pourquoi les pays occidentaux veulent vraiment avoir autant la peau de Béchir et le faire partir. Et là, il faut réfléchir. On avait fait un chapitre dans le livre « La stratégie du chaos, impérialisme et islam » qui aborde les pays de l'arc islamique Moyen-Orient, Afghanistan, Pakistan et la Corne, etc., la Corne de l'Afrique. Et là, en fait, dans l'actualité, il y a des événements intéressants. C'est que, vous savez qu'on a organisé les États-Unis, Israël, avec le soutien de l'Europe, ont organisé une scission au Soudan. On a donc créé le Sud-Soudan, comme par hasard la région où il y a du pétrole. Et Israël était très actif là-bas. N'empêche que le président al-Béchir a réussi à se réconcilier avec des forces politiques du Sud-Soudan. Il a réussi à établir des liens commerciaux, à organiser l'exportation du pétrole du Sud via le Nord, et donc les compagnies pétrolières occidentales ne seront pas du tout contentes. Et dans le dossier de la Centrafrique aussi récemment, Netanyahou, El-Béchir, excusez-moi, a joué un rôle très important, et la France qui essayait de contrôler ce pays et les richesses de la région n'était pas du tout content avec ça. Après le Soudan, un événement intéressant au Pakistan. En fait, vous savez qu'il y a eu des incidents graves entre l'Inde et le Pakistan à propos du Cachemire, mais est-ce que c'est vraiment à propos du Cachemire ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Et ce qui est intéressant, c'est qu'un avion des Pakistanais a été bombardé par un avion indien. Et cet avion indien était piloté par qui? Par un pilote israélien. Tiens, qu'est-ce qu'Israël fait aux côtés des Indiens contre le Pakistan? Eh bien, ici, vous avez une image du nouveau président pakistanais qui rencontre le dirigeant chinois.
et qui déclare que lui, il veut maintenant un Pakistan qui échappe aux multinationales occidentales, qui devient indépendant et qui ne se laisse pas faire. Alors directement, il ramasse la diabolisation, il ramasse des bombardements par Israël. Voilà le genre de choses auxquelles il faut réfléchir. Et bon, c'est pour ça qu'on avait recommandé d'étudier dans la région avec la stratégie du chaos. Alors j'ai parlé de l'Inde et là aussi on a des infos qui sont absolument pas passées chez nous. Est-ce que vous savez qu'en Inde, il y a eu tout récemment la plus grande grève de l'histoire de l'humanité, le plus grand nombre de grévistes et de manifestants, 200 millions de grévistes. On vous en a pas parlé, comme si ça n'avait aucune importance. Et c'est intéressant parce que les syndicats indiens ont réussi à mobiliser les femmes extrêmement fort. C'est une société qui n'est pas tendre pour les femmes. Et donc, il y a eu des mobilisations de femmes. C'est absolument magnifique. Et on a eu une grève générale avec le rôle des syndicats. C'est quelque chose qu'on ne réussit pas à faire en Europe et aux États-Unis. Et là, en Inde, on le réussit. Donc, c'est clair qu'il y a des leçons à tirer. Alors, on va aller un peu plus loin en Irak. En Irak, selon un site israélien, Degbafile, les États-Unis ont envoyé le 6 mars en renfort des troupes qui étaient basées en Israël et en Jordanie pour affronter le Hezbollah irakien et la milice Hasaïb qui appelle à la résistance contre la présence des États-Unis dans la région. Bien entendu, ils ont été directement ajoutés à la liste des organisations terroristes. Et évidemment, ce sont des informations qu'il faut prendre, je dirais, avec des pincettes et auxquelles il faut réfléchir, parce que les États-Unis sont en train d'élaborer un projet de faire bombarder par Israël les bases des milices chiites en Irak et aussi de former des mercenaires contrats à l'étranger. Ça, c'est la chose qu'ils ont faite en Syrie, c'est la chose qu'ils ont faite en Afghanistan et dans toute une série de pays. Je crois qu'il est très important d'étudier l'histoire de ces guerres indirectes, ce qu'on appelle proxy war, les guerres par des troupes interposées, par des mercenaires, où la main des États-Unis ne se voit pas trop. Et donc Trump va faire le malin auprès des troupes là en Irak. La seule chose à dire, c'est US go home, comme le disaient dans le temps les manifestants de la guerre contre la guerre du Vietnam. Alors, pour comprendre ce qui se passe en Irak, on a eu sur le site Investigation un article très très intéressant qui est paru tout récemment, intitulé J'ai aidé à créer Daesh. C'est un témoignage d'un ancien soldat US qui a participé à la guerre d'Irak et je vais lire deux trois extraits de l'article que je vous recommande sur le site Investigation. Il écrit ce soldat. À cette époque, j'ai vu et participé quotidiennement à des obscénités. Bien sûr, l'horreur de la guerre n'a jamais été reconnue en Occident. Les organisations pacifistes ont tenté de dénoncer les atrocités de la guerre en Irak, mais les médias conventionnels, le monde universitaire, les forces politiques et le business n'ont jamais permis un examen sérieux de ce crime de guerre le plus atroce, dit-il, du XXIe siècle. Et il raconte son expérience. Je ne pouvais m'empêcher de penser. En voyant les événements actuels en Irak et en Syrie, dit-il, je pouvais m'empêcher de penser aux enfants que mes camarades bombardaient en leur envoyant des trucs de leur ration. On n'envoyait pas seulement des bonbons, on envoyait aussi des bouteilles remplies d'urine, des cailloux, des débris et d'autres choses. Je me demande, dit-il, combien de membres de Daesh et d'autres organisations terroristes se rappellent ces petites choses. Mais surtout, je pense à ces centaines de personnes que nous avons faites prisonnières, que nous avons torturés dans des centres de détention où travaillaient des jeunes gens venant du Tennessee, de New York et de l'Oregon. Je n'ai jamais eu la malchance d'y travailler, mais je me souviens de leurs histoires. Je me rappelle, dit-il, des Marines me racontant comment ils cognaient, giflaient, tapaient à coups de pied, de coudes, de genoux et de tête les Irakiens. Je me souviens des histoires de torture sexuelle, comment ils forçaient les hommes irakiens à avoir des rapports avec d'autres détenus, pendant que les Marines tenaient des couteaux contre leurs testicules, les sodomisant quelquefois avec leurs bâtons. Désolé, c'est pas drôle, allez, on ne dure pas, mais je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux, on doit savoir ce qui est fait, on doit savoir ce qui est fait en notre nom, avec notre argent, et avec la complicité de gens comme Macron, comme
les gouvernements belges, etc. On doit savoir ce qui se passe parce que j'ai été très frappé, comme vous évidemment, par le terrible attentat en Nouvelle-Zélande et cette recrudescence d'attentats. Et là, je trouve que l'explication des médias sur l'attentat de Nouvelle-Zélande est, comme d'habitude, beaucoup, beaucoup trop courte. On nous a présenté, comme d'habitude, les images. Voilà le salopard qui a fait ça. On a montré la souffrance, l'indignation. Et les explications qu'on donne, je lis ici une interview dans Le Soir, le quotidien belge. On demande à l'expert Jérôme Jamin, ces théories, comme celle du choc des civilisations, du grand remplacement, font-elles partie d'une stratégie de l'extrême droite? Et il répond un peu des généralités. La grande question qui n'est pas expliquée, c'est où ce bonhomme, Brent Tarrant, a été chercher, Brenton Tarrant, pardon, a été chercher son inspiration en France. Brenton Tarrant a été chercher son inspiration en France et certains médias parlent d'un théoricien d'extrême droite connu, Renaud Camus, qui prétend que les musulmans sont en train de remplacer les Européens en Europe et que bientôt il n'y aura plus de blancs et que l'Europe ne va pas rester pure et toutes ces théories idiotes qu'on connaît. Mais ce qui n'est pas du tout rappelé dans les médias maintenant, c'est que le 24 juin, dans son émission qui s'intitule Réplique, un certain Alain Finkielkraut avait invité l'écrivain et militant d'extrême droite Renaud Camus. Alors Finkielkraut, on en a fait toute une histoire parce qu'il a été traité de sale sioniste. C'est un sioniste. C'est quelqu'un qui défend Israël et le racisme d'Israël. C'est quelqu'un qui avait publié en Israël une tribune absolument répugnante et raciste contre les Noirs et les Arabes. Et donc, Finkielkraut avait invité Camus. On voit ici Finkielkraut à droite, Camus de l'autre côté. Il l'avait invité, il lui avait donné la parole dans son émission sur France Culture. Donc, il faudrait savoir. Tout le monde dénonce cet attentat en Nouvelle-Zélande, mais quand on parle du choc des civilisations, déjà, le choc des civilisations, ce n'est pas un truc de quelques illuminés d'extrême droite. Ça vient du plus haut niveau des États-Unis. Dans le livre dont je vous ai déjà parlé, USA, les 100 pires citations, que j'ai fait pour vous aider justement à creuser la politique des États-Unis sans vous faire taxer de complotiste, il y a hashtag 49. Il y a Samuel Huntington, un des penseurs les plus réputés, les plus respectés des États-Unis, un grand inspirateur de la politique des dirigeants, qui vendait l'idée du choc des civilisations, à savoir que le monde maintenant n'était plus gouverné par l'affrontement entre les riches et les pauvres, entre le capitalisme et le socialisme, mais par l'affrontement entre d'un côté les bons, les chrétiens et les juifs, et de l'autre côté, les méchants, les musulmans. Ça, c'est un truc, une théorie délirante, qui repose sur rien, qui a été la justification théorique des guerres de Bush et d'Obama contre le monde arabe et musulman. Et donc, c'est là qu'il faut aller chercher l'inspiration. C'est pas seulement des théoriciens d'extrême droite, l'exemple vient carrément du pouvoir. Et à propos de Camus et de Finkielkraut, il faut rappeler que ce n'est pas seulement eux qui diffusent ces théories. Dans mon livre Je suis ou je ne suis pas Charlie, qui m'a valu une censure absolument totale en télévision, j'avais expliqué que Caroline Fourest, qui est partout sur les plateaux de télé et dans les médias, avait publié en 2005 dans le Wall Street Journal une tribune intitulée The War for Arabia, la guerre pour le rabbi. Selon elle, l'Europe allait être envahie par les Arabes, les immigrants arabes étaient incapables de s'intégrer et représentaient une menace pour la démocratie. Et que c'est ça qui allait créer l'expansion de cellules terroristes islamistes. En réalité, on a vu dans ce livre que le terrorisme islamiste a été créé, financé, organisé par les États-Unis. Ça, c'est vraiment développé. On a vu aussi, il y a quelques instants,
notre soldat qui disait, ben, c'est notre comportement à nous, aux soldats US, armée US, qui a provoqué cette rage, cette colère, cette frustration. Comme on a détruit le pouvoir d'État en Irak, comme on a détruit les mouvements politiques, eh bien, ça n'a trouvé qu'une seule issue, et les États-Unis en ont profité, Daesh, qui leur a été bien utile. Et donc, dans ce livre, je développais le fait que Caroline Fourest et BHL, Bernard-Henri Lévy, s'appuient sur un think tank qui est complètement d'extrême droite, le Memri, avec des gens comme Podhoretz, par exemple, qui développent des théories absolument délirantes, racistes. Et voilà, il faut voir que les terroristes qui commettent ces attentats dégueulasses sont encouragés quelque part par toute cette pensée de droite raciste et islamophobe. Et ça ne va pas qu'on parle seulement du racisme contre les juifs, qui est réel, qu'il faut combattre, et qu'on ne dit absolument rien, ou qu'on minimise totalement ce racisme contre les Arabes et les musulmans. Parce que c'est là justement qu'on est en train d'essayer de nous entraîner dans ce choc des civilisations, cette stratégie de la tension. Et quand le pouvoir est contesté, parce qu'on voit bien qu'il n'arrive pas à nourrir les gens, on voit bien qu'il plonge une grande partie de la population dans la pauvreté et dans l'angoisse, alors on s'en sort par la diabolisation des gilets jaunes, par la répression policière, Macron vient dire qu'il va encore la renforcer, et par le choc des civilisations. Et on s'est né, finalement, quelque part, ces gens-là au pouvoir sont contents qu'il y a ces affrontements entre extrême droite et terroristes d'extrême droite et terroristes dits islamistes. Et c'est une parfaite diversion pour développer, en fait, effrayer la population et prétendre qu'on va la protéger. Et ça, c'est le titre d'un prochain livre qu'Investigation va publier. On est en train de relire les dernières épreuves, ça part bientôt à l'impression. Et dans le débat du 4 mai à Paris dont j'ai parlé, Robert Charvin, l'auteur, sera là. Le livre va s'appeler La peur, arme politique, avec sous-titre Gouverner, c'est effrayer et rassurer. C'est beaucoup de réflexions très profondes sur comment tous les pouvoirs politiques et l'Église catholique en Europe ont utilisé la peur pour diviser les gens, pour les maintenir dans la soumission. Il y a beaucoup de leçons très intéressantes à tirer de ça. On reviendra bientôt sur ce projet, cet événement, sur ce livre. Je vous ai signalé quelques bouquins, je crois que c'est, je l'ai déjà dit dans une émission précédente. Il est très important de se former, pas seulement de regarder des petits articles sur son téléphone ou quelques vidéos rapidement. Il faut vraiment se former pour comprendre le fond de ces problèmes, avoir des arguments concrets pour pouvoir expliquer autour de soi et combattre la stratégie de la peur, combattre la stratégie de la division. Et donc là-dessus, on a sur notre page Facebook, vous allez la trouver là tout en haut, on vient de prendre des mesures pour réorganiser toute l'expédition de nos livres, diminuer beaucoup les frais de port et d'envoi qui augmentaient trop le prix des livres. Et il y a aussi des systèmes dans Bruxelles, à Paris et dans d'autres villes où vous pouvez aller chercher auprès de nos représentants dans les différentes villes les bouquins qui vous intéressent. Et je crois que vraiment, il faut se former pour être tous capables de réfuter tout ça. Je vous donne encore une ou deux annonces. Samedi prochain, on aura un Michel Midi spécial. Vous avez été très nombreux à demander, parlez-nous de l'Algérie. Voilà, c'était pas facile d'avoir mon ami Saïd Bouamama avec nous. Il court par monts et par vaux pour parler du Venezuela, de l'Algérie à travers toute la France. Mais samedi, il est ici à Bruxelles. Donc, c'est un Michel Midi spécial sur l'Algérie. Et la semaine prochaine, le mardi, j'aurai Mohamed Hassan, que vous avez déjà vu ici devant la caméra avec moi, qui va nous parler des nouveaux enjeux stratégiques en Afrique et au Moyen-Orient. Les États-Unis sont confrontés à toute une série de problèmes, il y a toute une série d'informations qui sont superficielles et qu'il faut creuser. Voilà, vous allez avoir beaucoup de matière avec Michel Midi. Je rappelle que vous pouvez, pour la diabolisation des gilets jaunes, nous envoyer à l'adresse testée. Ah oui, j'ai pas mis l'adresse. Je vais vous la dire comme ça, tester-les-media@investigation.net ou .org, tester-les-media@investigation.net, et
Vous pouvez nous envoyer votre témoignage de vidéo et à partir de ça, on va construire la base de la réflexion sur l'analyse critique des médias. Voilà, je prends congé de vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce Michel Midi et je compte sur vous pour la bataille de l'info.